présente dans cette affaire des élections de fin de référendum, il devrait être neutre. Pour moi, pour être assez clair, il favorise un petit peu l'électorat indépendantiste et il pénalise l'électorat loyaliste. Il favorise ceux qui veulent descendre le drapeau français au détriment de ceux qui veulent le laisser flotter bien haut en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà pourquoi je suis là. Merci. Pour défendre le droit de vote et défendre surtout combattre la loi organique qui demande à être modifiée et de ne pas inscrire automatiquement les natifs dont je fais partie et que je peux retrouver peut-être mon droit de vote perdu parce que d'après les problèmes techniques, les problèmes de sécurité, on a ce problème qu'on connaît tous depuis le début de l'accord européen. Normalement, il y a le droit de vote. Est destiné à montrer à M. Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, que le gouvernement et l'État ne doivent pas être partiaux. En fait, la décision de faire en sorte que les Kanaks puissent être inscrits automatiquement sur les listes électorales en vue de la consultation marquant la fin de l'accord de Nouméa et que les gens nés en Nouvelle-Calédonie qui ne seraient pas de régime de statut civil particulier ne puissent pas l'être est quelque chose de totalement inique et injuste. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour venir. Madame Sonia Bakies, pouvez-vous me dire un petit mot, s'il vous plaît? Écoutez, aujourd'hui, on manifeste pour dire à l'État socialiste qu'on est contre le largage qui est en train d'organiser de la Nouvelle-Calédonie et contre le trucage des listes électorales, puisqu'ils sont en train de truquer la liste électorale du référendum en refusant l'inscription automatique des natifs. Et ils sont en train de truquer la liste électorale pour les provinciales en permettant la radiation de plusieurs milliers de personnes. Donc on va combattre cet État socialiste qui, petit à petit, nous amène vers une indépendance douce. Alors, aujourd'hui, vous venez manifester et pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici? Écoutez, on est rentré en résistance aujourd'hui contre ce que veulent faire les socialistes en Nouvelle-Calédonie, nous amener vers l'indépendance contre notre gré. Donc on est venu pour faire entendre la voix de la majorité silencieuse de la Nouvelle-Calédonie, de ces hommes et de ces femmes qui construisent la Nouvelle-Calédonie et qui veulent un destin français pour notre île. Merci. D'obtenir par un trucage ce qu'ils ne peuvent pas obtenir dans les faits. Ils veulent obtenir les 5000 radiations de la liste électorale provinciale qui donnerait une majorité indépendantiste au Congrès et au gouvernement alors que la majorité de la population calédonienne veut rester dans la France. La majorité silencieuse de notre pays, celle qui jour après jour construit notre pays, toute communauté confondue et qui est indéfectiblement attachée à la France. Vous le savez, nous sommes là pour effectivement défendre des valeurs. Vous pouvez nous faire confiance. Nous serons unis sur ce combat. Nous serons ensemble. Nous saurons nous retrouver sur l'essentiel. Parce qu'il s'agit de défendre ces valeurs essentielles pour nous que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous comptons sur vous. Nous avons confiance en vous. Soyez avec nous. Thank you.
mouvement socialiste par rapport au corps électoral. Nous disons non. Il avait osé laisser leur temps à la maison, au travail, pour venir aujourd'hui. C'est pour démontrer au gouvernement socialiste que vous êtes ici ce matin. Très nombreux, très nombreux. Je vous remercie. Tous les partis politiques qui ont organisé ce matin cette manifestation, je vous remercie tous. C'est pour ça que, comme disait mon collègue Eugène, ici c'est une communauté de toutes les ethnies. J'en fais partie. D'être là aussi nombreux aujourd'hui, ce jour du 24 avril, qui nous voit tous soudés, tous unis, pour nous battre, pour montrer que nous sommes là, pour nous manifester, pour manifester notre attachement à la France, dans la France. C'est un cri du cœur, c'est un cri de la raison, c'est un cri que tous ensemble nous faisons entendre ici aujourd'hui et qui partira d'ici jusqu'à Paris demain. Parce qu'il faut que la France nous entende. Il faut que l'État socialiste arrête de rêver et arrête de penser qu'il va nous imposer une indépendance dont on ne veut pas. Les temps à venir vont être difficiles. Les choses sont simples. On vous a donné les explications. Mais il faut tout juste comprendre que les mauvais socialistes, vous savez, ceux des années 81, eh bien, ils sont de retour. Vous vous souvenez des Mitterrand, Pisani, Mucci? Ils n'ont quand même pas réussi à nous passer sur le corps parce qu'on a résisté. Et bien notre résistance redémarre de nouveau. Voilà, ils veulent nous imposer par un espèce de trucage une indépendance socialiste. Et il y avait du chômage. Hein. Bonjour. Calédonien, Calédonien, vous êtes là? Ce soir, vous serez sur Facebook.